C'était des gens du milieu, vous avez des, il y a des DC, il y a des donc ce qu'on s'est dit, c'est que ça valait la peine de vous donner une petite préparation pour augmenter vos chances de briller la semaine prochaine devant le jury. Le processus de la semaine prochaine, c'est que vous avez 8 minutes bien comptées. Au bout de 8 minutes, on vous coupe la parole, c'est terminé. Okay. Ouais. Et c'est très important parce que l'année passée, ça avait été difficile. Là. Mais là, c'est vraiment 8 minutes bien comptées. Et puis, donc, il y a des entreprises pitch et au bout de la journée, il y en a 5 qui seront sélectionnées pour avoir accès à Bayou. Donc, et l'accès, ce qu'on offre cette année, c'est l'accès à la convention, évidemment, le bootcamp entrepreneurial qui a lieu le dimanche et le lundi, donc le 21-22, je ne me trompe pas, avril. Et on paye aussi les nuitées d'hôtel, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Donc, c'est une valeur de 3 000 $ quand même. OK. Et puis c'est ça. Donc, la semaine prochaine, le 19, on fait c'est les pitchs. Vous allez avoir votre horaire, à quel moment vous allez passer dans l'après-midi. Et puis, on va faire l'annonce des gagnants. Là, c'est sûr que la venue auquel je parle, vous avez été invités, je pense, tous à la soirée. Dommage aux chercheurs à l'Université Laval qui a lieu. C'est un cocktail qui a lieu à l'université. Et on va faire l'annonce des gagnants lors de ce cocktail. À l'université. Qui est demain matin. Qui est juste à la fin de la journée, donc c'est le 19. Alors, puis la soirée hommage, c'est que dans le fond, l'université rend hommage aux chercheurs qui ont développé des technologies, qui ont déposé des brevets dans l'année. Alors, c'est une belle occasion de networking. Ils vont avoir plein d'investisseurs, tous ceux qui seront dans la salle. Donc, bonne occasion aussi de faire du réseautage. Alors, vous avez rencontré Davender. Davender est un de nos formateurs fétiches avec qui on travaille beaucoup. On a monté une formation qui s'appelle Fast Track, qui est une formation de 10 jours. Alors aujourd'hui, je pense que Davender va vous faire un petit medley de ce qu'on fait normalement en 10 jours. On va le faire dans une heure. Non, c'est ça. Alors, non, mais si vous allez voir, Davender pourra vous parler un peu plus dans le détail de ce qui est Fast Track, mais c'est justement une formation qui aide les entrepreneurs à bien positionner leur projet. Souvent, vous êtes excellent à connaître votre produit, votre projet, sauf que c'est une autre chose de bien positionner, de l'expliquer, puis de le présenter, puis s'assurer qu'on y donne le spin qu'il faut pour le faire comprendre le marché. Donc, si jamais ça vous intéresse, David pour parler de la formation Fast Track. On est en train de considérer d'en faire des formations thématiques, peut-être même dans des sujets, dans des secteurs précis, comme par exemple en biotech. Si jamais ça vous intéresse, ça pourrait être quelque chose qu'on pourra regarder ensemble. Je vous laisse travailler pour la journée. Je pense que la formule, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir la formation avec Davendeux pour pratiquer vos pitch. Puis Davendeux a offert aussi ce qu'on appelle des office hours, vendredi, pour ceux qui voudront revenir faire leur présentation et que vous allez après l'avoir travaillé pendant quelques jours. Question? Pour la présentation, est-ce qu'il y a des questions après tout ça? Il y a normalement 3-4 parce que le jury, on ne leur dit pas poser de questions, ils ne sont pas capables. Fait que c'est bien par vous en poser quand même quelques-unes pour approfondir leur connaissance du projet. Je vous dirais que c'est, à mon avis, une belle occasion de se faire connaître par des gens importants parce que les membres du jury sont quand même des joueurs importants du milieu. Fait que profitez-en pour, comme je dis, pour briller à ce moment-là. Mm-hmm. Bonne chance. Bonne formation. Merci. Super. Moi, je propose qu'on commence avec un tour de table parce que j'aimerais ça que vous connaître un peu plus et à la fin, je vais vous présenter qui je suis. Donc, je vous donne à peu près une minute chacun, un tour de rôle, présenter votre nom, votre entreprise un peu, votre offre, ce que vous faites dans votre projet. Puis aussi, j'aimerais savoir vos intentions pour aujourd'hui. Donc ça va m'aider à assurer que ce qu'on fait ensemble, c'est profitable pour vous. Donc, qui aimerait commencer? Ah, je peux y aller, moi. Oui. Moi, je m'appelle Jean-François Gravel. Je travaille pour l'entreprise GenePoc. Je suis un des quelques employés de l'entreprise GenePoc. On n'est pas beaucoup. GenePoc développe des systèmes d'analyse rapide pour les infections. Donc, c'est une technologie de détection où il y a de l'ADN. Donc, on sert de l'ADN, des microbes pour identifier la présence ou l'absence d'un pathogène. Ce qu'on vise comme marché, c'est le IVD, c'est Human Infections.
Donc, nous, c'est ça, ce qu'on développe, c'est des plateformes, des consommables aussi. Et puis, on espère être sur le marché d'ici les deux prochaines années. Moi, je suis ici aujourd'hui parce que mes collègues, mon collègue Sébastien Chapdelaine, lui qui est à la base de l'entreprise, a suivi la formation. Puis, je me rends compte qu'il est venu chercher une expertise là, pour pitcher l'entreprise, justement, puis bien présenter là, ce qu'on a comme offre puis comme produit. Fait que c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Là, je m'intéresse à cet aspect-là aussi. Moi, je suis un chimiste de formation. Donc, j'ai fait des études en chimie, j'ai fait du project management, j'ai travaillé à l'université longtemps. Mais cet aspect-là, business, c'est quelque chose que je veux développer. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Merci, Jean-François. Moi, je suis André Dussault, je suis vice-président chez EVFHMS. Nous, on a développé une plateforme d'extraction du liquide interstitiel en continu, c'est-à-dire que sans être invasif, on peut avoir accès à tous les biomarqueurs que dans le corps en continu pour des périodes jusqu'à 3 semaines. Ce n'est pas une méthode instantanée, c'est une méthode du monitoring en continu de biomarqueurs tels que le glucose. Donc, c'est arrivé par un besoin très intense de la part du président de l'entreprise qui avait lui-même diabétique, qui avait perdu un fer à cause du diabète. Donc, il travaillait déjà sur l'extraction du liquide interstitiel. Mais ça ne fonctionnait pas. Il est revenu des États-Unis, il avait eu une meilleure idée, il l'a mis en état breveté. Je l'ai aidé à en faire un produit fonctionnel. On a des prototypes fonctionnels qu'on a démontré de façon très simple, très élémentaire. Et on sera en mesure maintenant de faire des proof of concept, des essais cliniques qui s'en viennent bientôt. Et je suis ici, entre autres, pour perfectionner la présentation, parce que les présentations, ça, c'est comme des plans d'affaires. Selon le public auquel on s'adresse, ça peut changer, pas tout à fait d'un bout à l'autre, mais le ton, le contenu peut changer de façon radicale. Ou assez importante selon l'état de votre présentation actuelle. Donc, certain que c'est une excellente occasion d'améliorer nos formations et nos présentations. Merci, André. Moi, j'ai Frédéric Leduc. Moi, je suis finissant à l'Université de Sherbrooke. En fait, contrairement à ce que ma carte dit, c'est ma vieille batch de carte, je suis désolé. Ce matin, à 4h du matin, j'ai pas pris la bonne batch. Je suis finissant au doctorat en biochimie. Notre entreprise est née d'un besoin que nous on avait en tant qu'étudiants de doctorat. On est 3 finissants au doctorat. On s'est rendu compte que les anticorps, qui sont aussi très utilisés dans tous les domaines de la recherche biomédicale, sont pourris. Puis on a trouvé un moyen d'en faire de très haute qualité et pour pas très cher. Moi, je suis très chanceux à Sherbrooke qu'on est dans un programme qui s'appelle l'ACET, qui est l'accélérateur de création d'entreprises technologiques. Ça nous aide beaucoup, ça nous donne des cours, des mentors, ça nous donne vraiment un bon background business qui nous manquait parce qu'on est presque tous des scientifiques. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est comme réduire ma présentation qui normalement, qui à chaque fois que je présente, je suis toujours coupé. Sincèrement, je ne sais pas combien de temps ça me prend pour faire une présentation. Okay. Puis je sais qu'elle est trop longue. Mm-hmm. Mon but, c'est de capturer l'essence puis essayer de rendre dans un 8 minutes, 8-10 minutes. OK. Donc, moi, c'est Jean-François Doyon. Je m'excuse de m'avoir, je t'en remets depuis 2-3 jours. Donc, je suis pour la compagnie Kleros Technologies. Donc, nous, en gros, c'est un véhicule de médicaments qu'on a fait ou de produits naturels. Dans le fond, on a comme deux divisions. C'est ça, c'est un véhicule qui est une gamme, finalement. Donc, c'est sur le comme genre de deux divisions, une division pour produits de santé naturelle où on peut avoir des partenariats, dans le fond, pour mettre des ingrédients actifs dans notre gamme. Donc, au niveau des produits de santé naturelle, il y a déjà des ententes de distribution qui ont été faites et de commercialisation. Notre partie pharmaceutique, maintenant, on a mandat développé. Moi, c'est ma fonction, justement, j'ai dans des entreprises pharmaceutiques, justement. Donc, c'est le pourquoi je suis ici aujourd'hui, dans le fond, c'est que notre président a déjà fait des formations comme ça beaucoup. Ça fait pas longtemps que chaque entreprise. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de justement pratiquer à présenter l'entreprise. Comme je dis, ça fait peut-être moins de 2 mois que je suis avec l'entreprise. Donc, je travaille un peu à comprendre l'entreprise et me pratiquer à la présenter, finalement, pour aller voir, finalement, après ça, les compagnies pharmaceutiques. Super. Et finalement, donc, je suis Nicolas Lapointe, le président de
de BioVelia, qui est en fait une compagnie qui a développé une technologie d'innovation pour les comprimés. Donc nous, en fait, ce que l'on fait, c'est on va utiliser des produits, des coproduits de l'industrie alimentaire qu'on va revaloriser, qu'on va réutiliser en association, soit avec des nutraceutiques ou des ingrédients plus pharmaceutiques. Présentement, le focus qu'on a, c'est vraiment vers les probiotiques, vers les enzymes. Notre technologie, ça varie vraiment bien avec ce style d'ingrédients-là, qui sont des ingrédients qui sont quand même assez difficiles à travailler en raison de leur caractère plus vivant pour le probiotique. Pour les enzymes, ben, ça a différentes problématiques au niveau de la chaleur et tout ça. Donc, l'important, en fait, pour nos partenaires qui ont des ingrédients actifs, c'est que ce soit sous forme de poudre. C'est une poudre aussi qu'on va mélanger ensemble, on va faire un comprimé. Ça va permettre de passer la barrière de l'estomac. Donc, la technologie issue de l'Université Laval, on a déjà commencé à avoir des discussions avec différents partenaires dans le milieu pour justement avancer la commercialisation. Le produit est prêt à être commercialisé. On est capable de le produire au niveau industriel avec des partenaires aux États-Unis. Donc, moi, je suis ici, dans le fond, pour donner un peu plus de visibilité à l'entreprise, profiter un peu des personnes du jury qui sont là, donc de leur faire une bonne présentation. Donc, ça revient à aujourd'hui. On a à simplifier le pitch puis à s'organiser pour que ce soit le plus compréhensible et digestible possible. Donc, voilà. Super. Et t'es pas le dernier, c'est moi le dernier. Ah! Mon nom, c'est Devendra Gupta. Mon entreprise s'appelle Startup Academy. Et ma passion, c'est de guider les entrepreneurs audacieux à développer les connaissances, les compétences et la confiance pour faire avancer leur projet. Et moi, je viens d'un background, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière dans les Forces armées canadiennes. J'ai un bac en génie physique de Royal Military College. Et ma maîtrise est en système d'imagerie. Donc, dans la première partie de ma carrière, j'ai travaillé beaucoup sur l'instrumentation et la recherche et développement du côté aérospatial. Et quand j'ai quitté les forces en 1995 pour me lancer en affaires, comme entrepreneur, je montais des systèmes d'analyse numérique des images, que ce soit l'analyse vidéo dans le domaine pour la police, la GRC, Calgary Police Service, Edmonton Police Service, j'étais dans l'Alberta dans le temps. J'ai travaillé sur des projets aussi sur la reconnaissance automatique des images du fond de l'œil pour détecter les symptômes de la diabète, pour l'instrument qu'on utilisait. Et aussi, vers la fin des années 90, j'ai été impliqué dans un start-up. J'avais développé une technologie pour faire la compression haute résolution de vidéos noir et blanc. Et on voulait créer une plateforme de télémédecine à travers l'Internet, qui était encore à ses débuts dans ce moment-là. Le projet avait pris beaucoup d'ampleur pour devenir, dans le fond, un projet de gestion des données dans le domaine de la santé. Puis on a réussi à lever 10 millions de dollars et on n'avait rien à livrer. Donc l'entreprise a fait un collapse, s'est fermée. Et pour moi, ça a été une dure leçon à propos de c'est quoi l'entrepreneurship ou de performance. Mais j'ai appris beaucoup de ça. Et depuis 2000-2001, je fais du coaching pour les entrepreneurs. D'abord à Calgary, où j'étais basé, et depuis 2005, je suis ici à Québec. Depuis 3 ans, je ferme un focus spécifique sur les startups. Et Startup Academy est en train de devenir un nouveau genre d'accélérateur, avec des activités qui sont plus virtuelles qu'un accélérateur physique où est-ce que les gens viennent pour travailler. Le focus de Startup Academy, c'est beaucoup de développer les connaissances et les compétences des entrepreneurs. C'est ça qui manque dans le processus. Tu le vis un peu avec la CEP. Ça, c'est un autre programme qui aide à développer les connaissances et compétences. Puis on a besoin de plus de ça.
Il y a un an, donc en printemps 2012, j'ai démarré à l'invitation de Québec International. Ils m'ont engagé pour monter un programme puis livrer un programme qui s'appelle Fast Track. Fast Track Tech Venture, qui est basé sur un programme qui vient du Kauffman Foundation aux États-Unis. C'est un programme de 10 jours sur 8 semaines où est-ce que les entrepreneurs définissent leur projet, valident leur modèle d'affaires, montrent leur présentation et aussi tout le plan stratégique pour le lancement d'entreprise. Et là, on a eu à peu près 22 entreprises à date qui ont complété le programme ou qui sont en train de le faire en ce moment, trois cohortes. Puis il y a des startups de tous les genres, donc pas seulement le web, mais aussi des technologies plus pratiques. Donc génie mécanique, génie électronique, système intégré, jeux vidéo, toutes sortes de genres. Puis ce que je me rends compte, c'est que les besoins des startups et les compétences nécessaires pour réussir un startup sont les mêmes, quelle que soit la technologie. Donc moi, je viens de ce côté-là. Ce matin, moi, ce que je propose, c'est qu'on va faire ça en deux parties. Je vais faire une première partie qui est plus contenue, mais quand même, j'aimerais que ce soit une discussion, juste pour s'assurer qu'on parle un langage commun et de s'assurer que vous avez des éléments pour mettre dans vos présentations. Ce que vous m'avez envoyé à date, il y a des forces, mais la grande faiblesse dans tous les cas, c'est que je ne vois pas une opportunité d'affaires. Puis c'est ça que les investisseurs veulent. Puis dans le fond, c'est les investisseurs. Votre jury, la semaine prochaine, et les gens que vous allez rencontrer au bio à Chicago, dans le fond, c'est pas juste partager la recherche. C'est vraiment monter et communiquer que vous avez un projet d'affaires intéressant qui peut générer, qui peut livrer et aussi capter de la valeur. Donc, la première partie d'à peu près 45 minutes, on va discuter de ça. La deuxième partie, ça va être vraiment sur, avec ce qu'on va avoir discuté, c'est intégrer ça dans votre pitch. Je pense avec nous cinq, si vous êtes d'accord, on a le temps pour chacun de vous de pratiquer trois fois votre pitch aujourd'hui. Donc, comme ton but d'arriver dans le 8 minutes, moi, je pense très bien qu'on va pouvoir le faire. Oui, parce que je n'ai pas préparé ça. Non, c'est correct. Tu vas pouvoir le préparer avec les informations qu'on a aujourd'hui. Et je pense que pour chacun, pour vous autres, j'ai reçu ta présentation, toi aussi, André, et toi, tu peux l'envoyer, il me semble. Moi, elle est prête, mais je pense que je l'ai retravaillée. OK. Et j'ai vu ouais, le thème. Oui, c'est ça. Aussi. Donc, on va pouvoir identifier c'est quoi les éléments manquants pour les mettre dedans. Et vous cinq, vous allez avoir une grande longueur d'avance sur tous les autres qui ne sont pas venus aujourd'hui. Donc, commencez à valider vos passeports. Je pense que vous allez... si je fais mon travail comme il faut aujourd'hui, c'est vous cinq qui vont aller à Chicago. OK? Dio? moi j'espère que moi je vais pouvoir y aller, donc ça c'est mon prix pour moi. C'est vrai de ne pas poser la question à Sébastien. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment une discussion que je veux faire. C'est pas magistral. C'est si je dis quelque chose qui n'a pas d'allure ou qui n'est pas clair ou qui a l'air de se contredire à quelque chose que vous savez, je suis très ouvert à l'ouvrir. La discussion là-dessus. J'ai pris le contenu que j'ai développé à date pour Fast Track et j'ai intégré plus d'exemples biotech que j'ai trouvés. Donc, je suis à propos de ce que je vais vous parler du côté scientifique, je suis vraiment à la limite. Les côtés affaires, je me sens très, très à l'aise avec tout ça. Ça va? OK. Donc, commençons. Donc, vous savez, ce que je vous montre ici, vous l'avez aussi en version papier. On va commencer avec celui-là, la genèse d'un startup biotech. Donc, ça, c'est le côté affaires qu'on va discuter en ce moment. Donc, le fil est croche. Le fil est croche. La prise.
quelque chose écroche. Ah, OK. Peut-être que je devrais laisser sur l'autre. C'est ce que je vais faire. Les fils sont plus lourds que les instruments. Juste en passant, ça c'est un outil que j'aime beaucoup. Si vous montez vos PowerPoint en PowerPoint avec Microsoft PowerPoint, pour les montrer, je vais vous montrer, ça s'appelle Slide Shark. Et ça vous permet, combien d'entre vous utilisent un iPad? Oui. Donc, si vous utilisez un iPad qui est pratique, si vous promenez un peu, si vous faites du réseautage ou comme à Chicago, vous voulez montrer votre projet à quelqu'un. Donc, Slide Shark, je vais vous montrer la home page. Ça vous permet de télécharger un PowerPoint en version native et ça fait, une compression, une magie spéciale. Ah oui, vous ne voyez pas parce que moi, je le vois. Ça fait une magie spéciale pour le présenter exactement. Comme si c'était un PowerPoint. Comme si c'était un vrai PowerPoint. Ben, je veux pas sonner comme le gars qui a des Mac depuis longtemps, mais si tu utilises Keynote à la place de PowerPoint, ça le fait automatiquement. Oui. Ben, c'est ça. Et c'est plus beau. C'est ça. Mais ce que j'ai vu avec Keynote, c'est qu'il y a quand même des erreurs. Si je fais des choses en Keynote qui sont trop fancy, la version Keynote en iOS n'est pas capable, ne traduit pas. Ou des problèmes de fonte. Mais un pitch avec des animations trop fancy. C'est ça. Là, t'es mieux de prendre votre Mac directement. Mais c'est gratuit, totalement gratuit aussi, le service SlideShark. Donc, c'est fun de savoir. OK. Donc, c'est ça. Ça, c'est ma définition d'être en affaires. Être en affaires, c'est un système. Donc, vous avez travaillé, ou vous êtes en train de travailler sur votre technologie, qui est très important, mais autour de cette technologie-là, il faut un système pour pouvoir le livrer à quelqu'un. Et ce que j'ai dit à mes startups, c'est qu'il faut travailler autant, il faut mettre autant d'énergie à bâtir le système d'entreprise que la technologie. Donc, c'est un travail qui est aussi difficile. Un ou l'autre. Puis je dirais même, la technologie est peut-être même plus facile à faire parce qu'on a un feedback directement. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Quand on essaie de monter un système d'entreprise, on n'a pas ce feedback loop de la même façon. Il y a beaucoup, beaucoup plus de variables. Mais un système qui crée, qui livre et qui capte de la valeur pour qu'on puisse investir dans l'entreprise pour la croissance. Moi, je siège parmi mes activités, je suis le VP du CLD de Québec. Et j'ai beaucoup de difficultés à communiquer ça aux employés des CLD. Un startup n'est pas un démarrage. Donc souvent, ce qu'on dit aux startups de faire, c'est monter votre plan d'affaires. Mais le plan d'affaires classique ne fonctionne pas pour un startup, et encore moins pour un startup de votre type. Parce qu'il y a tellement d'inconnus. Par exemple, dans une démarche classique, il y a un modèle d'affaires éprouvé. Donc, faire un plan d'affaires pour une pâtisserie ou un magasin à rayons ou quelque chose, on a des exemples, on a des modèles. C'est éprouvé. Mais dans notre cas, avec les startups, c'est inconnu. Portée locale, un démarrage classique, la portée sans limite. Votre marché peut être n'importe où sur la planète. Le marché est inconnu. Dans votre cas, n'est pas mesurable ou n'est pas mesuré. Vous pouvez faire des estimations, créer ce qu'on appelle en anglais, you can define proxies, donc des ressemblances, mais c'est vraiment inconnu, vous ne le savez pas encore. Dans un démarrage classique, on vise la rentabilité, mais dans un startup haute performance, c'est la dominance. Vous voulez devenir la référence dans votre domaine, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous le faites. C'est ça qui est le prix, le reward pour avoir pris beaucoup de risques. Dans un démarrage classique, c'est un flux de revenus qui est géométrique. Donc, on a des revenus dès le jour 1. Mais dans un startup haute performance, il y a peu de revenus au début. Puis, ça peut être très longtemps avant qu'on voit des revenus. Croissance linéaire versus croissance exponentielle. Des actifs physiques dans un démarrage classique.
Vos plus grands actifs sont, dans votre cas, sont des actifs intellectuels, votre propriété intellectuelle, vos patents, vos licences. Le démarche classique, ben, on participe dans un marché. Ici, on veut faire un disrupt, on veut changer les règles du jeu. Et c'est ça qui nous permet de devenir la référence dans notre domaine. Et finalement, dans un démarche classique, les restes d'exécution sont connus, mais dans notre cas, c'est inconnu. Donc, c'est ça, avec le grand degré de risque, vient aussi la possibilité d'en récolter beaucoup. Donc, c'est pour ça qu'on fait un start-up haute performance. Et ça requiert qu'on change la mentalité. Combien d'entre vous ont déjà lu ou vu ce livre-là, The Lean Startup? Très recommandé. The Lean Startup, ça vient du concept qu'on bâtit seulement ce que les gens vont utiliser. Donc, le concept du Lean, du Kaizen dans le manufacturier est en train de s'appliquer à toutes sortes de domaines. Puis, si vous faites une recherche sur The Lean Startup puis Biotech, il y a des startups dans le biotech qui commencent à utiliser ces concepts-là. Et ça leur permet de mettre leurs efforts et de toujours diriger leurs efforts sur qu'est-ce qui va créer des flux de revenus, des utilisateurs le plus rapidement possible. Donc, pour que l'entreprise soit viable. Et la définition d'un lean startup par Eric Ries est une institution humaine avec la mission de livrer un nouveau produit ou service dans des conditions d'incertitude extrême. D'où la difficulté de communiquer qui vous êtes. Il y a tellement d'incertitude autour de ça. Vous êtes en train de bâtir une entreprise. Donc, il y a beaucoup. Vous faites une promesse. Mais maintenant, il faut vous équiper avec les bons mots, avec les bonnes façons de communiquer pour que vous puissiez livrer sur vos promesses. Questions? Suggestions? Donc, dans un startup biotech, ben, ça c'est un startup haute performance. On recherche quatre choses. Puis, premièrement, highly leverageable technology advantage. Une innovation technique qui répond à une priorité critique, qui répond à un problème important, critique, urgent, et qui peut servir de levier pour une croissance rapide. Après ça, au niveau de risque et de revenus, donc, il ne faut pas avoir peur de parler du risque, des risques d'exécution, des risques technologiques. Ça, c'est correct. Les gens à qui vous allez vous adresser sont confortables avec le risque. Votre travail, c'est de communiquer que vous avez des façons de gérer le risque. Donc, de prévoir et de gérer et d'être capable de répondre rapidement aux imprévus. Un startup haute performance veut aussi transformer le statu quo. Disrupt. Disrupt, c'est un mot à intégrer dans votre présentation parce que c'est un mot clé qui communique à des investisseurs et des partenaires que vous comprenez l'importance de changer les règles du jeu du marché pour devenir le choix préféré de vos utilisateurs, de vos clients, de vos payeurs. Et finalement, dès le début, le modèle d'affaires est défini pour avoir un fort potentiel de croissance. Le mot scalability en anglais, que j'ai essayé de traduire pour le surdimensionnement, mais j'aime pas ce mot-là. Mise à l'échelle. La mise à l'échelle, mais c'est pas la même chose que scalability. Donc le disrupt et le scalability, ça c'est des concepts à communiquer dans votre présentation. Pour dire oui, on a quelque chose de très intéressant ici et qui pourrait créer beaucoup de valeur. Donc, on peut générer, on peut livrer, puis on peut capturer une partie de cette valeur-là pour nous. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Ça va? Et je répète, donc, votre présentation, c'est de démontrer que vous avez un projet d'affaires basé sur l'innovation technologique qui répond à une priorité critique qui peut servir de levier pour créer de la valeur, livrer de la valeur et capter de la valeur.
Et dans ce que vous m'avez envoyé à date, presque pour tout le monde, c'est l'élément de priorité critique que j'avais la difficulté à comprendre. Il fallait que je fasse des analyses moi-même pour comprendre c'est quoi cette priorité, ce problème auquel vous vous adressez. Donc, il faut mettre ça de l'avant dès le début. Donc, dire voici le problème critique. Puis c'est urgent, puis il faut qu'on s'attaque à ça tout de suite. Puis c'est ça qui donne l'élan, c'est ça qui génère l'intérêt pour un partenaire financier ou un partenaire de développement à se joindre à vous. Est-ce que bon, j'ai répété? Bon. Étape de la croissance. Donc, c'est d'où vient mon logo, ces cinq icônes-là. Un startup commence avec un concept, une technologie, une idée. Et pour la plupart d'entre vous, vous êtes encore à cette étape-là. Est-ce que c'est une idée qui fonctionne? C'est très théorique ou c'est pratique en laboratoire. Mais après ça, c'est de voir cette idée-là, c'est la solution à quel problème important. Donc là, on commence à transformer le concept en solution. Et ce qu'on veut trouver, et on fait beaucoup de cette recherche-là dans le cadre de Fast Track Tech Venture, c'est trouver la correspondance problème-solution. En anglais, vous avez peut-être lu le concept de problem-solution fit. Le problem-solution fit nous permet de confirmer que ce qu'on propose est utile à quelqu'un. Donc ça c'est la définition de base. Donc ce qu'on propose est utile à quelqu'un ou à une application précise. Après avoir validé la correspondance problème-solution, c'est là qu'on passe à la prochaine étape, c'est de transformer cette solution-là en offre. En regardant, est-ce que les gens le veulent? OK, ça résout un problème. C'est convenablement. Est-ce que les gens le veulent? Est-ce qu'ils le veulent assez pour sortir leur carte de crédit, pour payer de leur poche, pour investir, pour participer de façon commerciale? Donc, c'est là qu'on parle de correspondance offre-marché, product market fit. Ça, ça permet d'identifier nos clients, nos utilisateurs, nos payeurs. Ça permet de voir combien ils sont prêts à payer. Puis c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à avoir une entreprise. Donc, le concept de solution à offre, ça peut prendre un an, deux ans, mais on n'a pas encore d'entreprise. L'entreprise commence ici. Donc là, on commence à monter des systèmes pour livrer cette valeur-là. Et là, les ventes commencent à monter, les revenus commencent à monter, on espère. Et finalement, c'est le scaling, l'accélération pour devenir la référence du marché. Cinq étapes très, très précises. Puis, il y a un modèle qui s'appelle le Marmor Model, qui a fait une étude statistique de dizaines de milliers de startups de tous les genres. Puis, ce que le Marmor Model, Marmor, M-A-R-M-E-R, Marmor, c'est qu'il y a des caractéristiques spécifiques à chaque étape en termes de où est rendue l'entreprise dans la validation de leur technologie, le nombre d'employés, où l'argent entre dans l'entreprise. Donc, il y a vraiment un modèle autour de ça. Puis, tout ce qui change, pour le web, c'est très comprimé. Pour les biotech, quand on parle de molécules, c'est très long. Mais les modèles, les critères demeurent les mêmes quand même. Donc, d'habitude, la première entrée d'argent externe d'un early stage investor, ça commence à arriver ici. Cette partie-là, ça se fait avec vos fonds personnels, mais c'est ici qu'on commence à avoir l'entrée de l'argent externe. Et ici, ça c'est... on commence à avoir le Series A, l'entrée du plus du Venture Cap. Donc, au Québec, ça c'est très, très général.
environ, ça c'est de l'argent, du love money qu'on parle. Ici c'est 200, 500, peut-être maintenant 1 million de dollars au Québec. Puis ça c'est le 2, 5, 10 millions et plus. Donc, si vous voulez en savoir plus, on pourrait regarder votre cas spécifique. Puis peut-être même cet après-midi, ça va dépendre de où vous êtes dans l'évolution de votre entreprise. Mais demander un demi-million ou un million sans avoir correspondance problème-solution, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce que ça, c'est un critère absolu qu'un investisseur veut voir. Puis la correspondance problème-solution, ça se valide sur le terrain. Pas juste des études, mais vraiment presque avoir des lettres d'intérêt ou des choses comme ça, des choses tangibles que vous avez parlé avec telle personne, avec une centaine de personnes, une centaine de physicians ou de médecins ou des choses comme ça, de vraiment des entrevues que vous faites. Et beaucoup de mon travail avec Fast Track, c'est de vous guider à faire des entrevues, à parler avec vos clients utilisateurs. Donc, je me rends compte que je me répète souvent ici, mais c'est super important. Le problème, l'innovation, où est le disrupt, puis la recherche du modèle d'affaires. Donc, le problème. Il faut vraiment montrer que c'est un problème important. C'est un problème urgent. Vous avez des idées. L'idée est venue à vous comment? Et j'aime beaucoup, André, quand tu parles de où est venue l'idée, c'est venu d'une expérience personnelle. Bien, partagez ça. Il faut que l'idée, il faut que le problème soit ancré dans la réalité aussi. Ça commence avec la réalité de quelqu'un. Donc, il y a toujours une histoire de genèse de l'idée au cœur de tout projet. Trouvez cette histoire-là et racontez cette histoire-là. Donc, ça peut être le fondateur qui a vécu quelque chose, ça peut être l'ami d'un fondateur, ça peut être quelqu'un dans la famille du fondateur. Il y a toujours une raison personnelle pourquoi on bâtit une entreprise autour du problème. Mais aussi, après ça, il faut définir qu'est-ce qu'il faut changer. Il faut définir pourquoi ce problème est important et les critères de succès pour répondre à ce problème-là. D'où vient l'urgence du besoin? Prenons un exemple d'entre vous. Donc, vous adressez quel problème? Puis on va travailler un peu pour trouver l'urgence de ce problème-là. Volontaire? Bénévole? Oui? Le problème, c'est que les anticorps sont solides, mais ils ne sont pas bons. Okay. Sont pas spécifiques, sont pas sensibles, sont une fois sur trois pour leur tourner. OK. Donc, regardons ça de deux façons. Premièrement, qu'est-ce qui te fait intéresser, toi, spécifiquement, dans tout ce domaine d'anticorps? J'ai été un utilisateur. Pardon? J'ai été un utilisateur pendant 10 ans. OK. OK. Puis, c'est quoi que tu as vécu, le fait que ça n'a pas fonctionné? Frustration, perte de temps... perte de projet, parce que l'anticorps fonctionnait, puis à un moment donné, il a arrêté de fonctionner. OK. Donc, beaucoup de perte d'argent, de temps, une frustration, nomme-le, je pense que... Donc, tu as trouvé une urgence personnelle, pour commencer. Et répandue. Et c'est ça, par la suite, tu vois que c'est répandu. OK. Ouvre ta présentation avec ça. C'est très important de l'ouvrir avec une histoire personnelle vécue, ou... Si c'est une observation, il faut communiquer pourquoi cette observation est importante pour vous personnellement. Ce que ça fait, c'est que quand vous commencez les 5 à 10 premières secondes de votre présentation, il faut créer un lien d'empathie et de confiance avec les personnes qui vous écoutent. Et la seule façon de faire ça, c'est de vouloir se dévoiler un petit peu. Juste un petit peu. Juste assez pour dire oui, je suis vrai, c'est pas un projet théorique. Je suis ancré, pied sur terre, mais regard vers les étoiles. OK? On va travailler ça tantôt, votre introduction, la première partie de votre présentation.
Et aussi, dans la présentation de cette première partie de votre pitch, il faut être capable, il faut que la personne qui vous écoute soit capable de répondre en affirmatif. Est-ce que c'est un problème qui mérite des milliers d'heures et des millions de dollars? Et si la réponse est non, si leur réponse à ce que vous pitchez est non, les jeux sont faits, plus rien ne vaut plus. Donc, il faut positionner le problème, la situation, pour que ce soit une situation critique. Oui, ça mérite qu'on investisse du temps, qu'on investisse de l'argent, qu'on prenne un risque, parce que ça peut changer le monde. Chacun de vos projets a le potentiel de changer le monde. Donc, c'est là que, en ayant les pieds sur terre, vous pouvez regarder les étoiles, viser les étoiles, et pas l'air, avoir l'air de flotter comme beaucoup de startups font, même des startups expérimentées ont tendance à faire ça. Ils parlent tellement dans le potentiel que ce n'est pas ancré dans la réalité, les gens ne le croient pas. Donc, c'est de maîtriser ces deux affaires, ces deux aspects-là. Votre solution, quand vous parlez de comment ça résout la solution, ce n'est pas juste de dire que ça résout la solution pour que voici les points techniques, mais aussi c'est le retour sur utilisation. Return on usage. Donc, votre solution, comment ça va améliorer la vie des gens? Comment ça va leur sauver du temps et de l'argent? Comment ça va améliorer leur qualité de vie? Comment ça va contribuer au bien-être des individus, de la famille, de la société? Et c'est, dès le début, ça c'est le cœur de votre pitch, le problème et la solution. Le problème est tellement important que nous sommes partis en aventure pour trouver la remède à ce problème-là. Et quand nous avons découvert le remède, puis on l'a ramené au village, là, tout le monde a été guéri, puis ça a été... La grande foire, donc, vous racontez une histoire. Il faut le raconter presque comme ça. C'est comme ça que les gens vont se souvenir de vous. Puis beaucoup des pitchs technologiques manquent cette couleur, manquent cet humanisme. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que si on travaille trop dans l'analytique, ce que j'ai dit à mes clients, ce que j'ai appris dans la banque, c'est que les gens prennent d'abord leurs décisions avec leurs émotions, puis ils confirment avec leur côté analytique. Donc, vous voulez rentrer dans la première minute, connecter avec leurs émotions, puis après ça, tout le reste, c'est le confirmer avec vos faits. Donc, le début, on va pratiquer ça ensemble. Pas d'être farfelu, pas d'être non crédible, c'est d'être très professionnel, mais raconter une histoire qui communique aux émotions. Puis après ça, là, les gens vont dire, OK, oui, là, ça a l'allure, je vais rester l'esprit ouvert. Parce que mes émotions me disent que je peux avoir un niveau de confiance crédible au départ. Commentaire, question? Est-ce que ça a l'allure ce que j'ai dit à date? Ça va, peut-être. Oui? OK. Super. Chose qu'il ne faut pas négliger, c'est que l'innovation technologique, c'est juste une façon d'innover. Ça vient d'un livre que j'adore beaucoup qui s'appelle Stratégie Océan Bleu. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui ont entendu parler de ça? Ouais. Bien sûr, des gens que dans la SET, donc tu me confirmes que la liste de lecture que je recommande à mes clients sont les bons livres. À la fin, j'ai la liste. On n'a pas lu, mais on a un résumé de. OK. Donc, mais dans le fond, le concept de la stratégie Océan Bleu, c'est au lieu d'aller à la pêche, où est-ce que tous les bateaux sont, on appelle ça l'océan rouge parce que c'est rouge de sang, on s'en va ailleurs pour aller chercher des valeurs. Pour aller chercher une plus-value qui n'est pas fournie par
les solutions qui existent présentement. Donc, d'où la définition de quatre types de valeurs, quatre dimensions de l'innovation. La plupart des startups travaillent sur une innovation de l'offre, le développement de nouveaux produits qui n'existaient pas avant. Donc, ça, c'est l'innovation classique. On invente quelque chose, on montre quelque chose, on crée quelque chose. Mais votre innovation peut avoir un impact encore, qui génère encore plus de valeur. Si avec votre nouveau procédé, la méthode permet de livrer un produit ou service existant, mais plus vite ou plus, de façon plus viable, c'est un peu dans ton cas avec les comment c'est marqué, le chef coquetier, notre coquetier résident. Mais c'est ça, c'est peut-être ici, c'est l'innovation de processus. Et dans la façon dont vous présentez votre innovation, si vous le présentez de cette façon-là, les gens vont comprendre, OK, oui, c'est pas inventer un nouveau produit, mais la façon de faire, c'est mieux, c'est plus vite, moins cher, meilleure qualité, plus fiable. Et d'identifier de cette façon-là, ça va vous avantager. Il y a aussi l'innovation de marché. Viser un marché présentement mal servi par les offres actuelles en faisant des modifications mineures à son produit et à son service. Comme exemple, je prends le Wii, le jeu vidéo. Puis le jeu vidéo ou le Wii, quand ça a été conçu dès le départ, c'est un jeu vidéo, comme pour ceux qui aiment les jeux vidéo, c'est pas grand-chose, le Wii. Mais ça fait vraiment une révolution en ouvrant de nouveaux marchés. Là, avec le Wii, à cause que les gens pouvaient bouger avec, là, c'était les vieilles personnes dans les centres de longue durée qui commençaient à bouger avec le Wii. Puis ça a vendu beaucoup aux adultes, ça a vendu beaucoup dans le domaine médical. Kinect aussi. Kinect, comme une façon de faire une interface avec un ordinateur, c'est en train de faire beaucoup d'impact dans le domaine de la réhabilitation. Il y a un startup à Montréal qui vient de recevoir un bon investissement parce que c'est ça. Des gens peuvent faire leurs exercices de réhabilitation à la maison et via le Kinect, l'ordinateur est capable de leur dire, OK, oui, il faut bouger votre bras plus haut, plus vite. Donc, ça devient une façon de faire en sorte que les gens font leurs exercices à la maison. Pour beaucoup d'innovations d'offres, c'est tout off the shelf. Les morceaux sont facilement disponibles de façon commerciale, mais ils ont fait des innovations de processus et de marché. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont en train de créer quelque chose de vraiment unique, de distinct. Une innovation de valeur, finalement, le pourquoi, c'est de prendre quelque chose, un besoin non satisfait, mais très apprécié de son marché, mais de trouver une façon de mieux le livrer. Je n'ai pas d'exemple en biotech. Moi, des exemples que j'ai, c'est dans le domaine de l'aviation. Quand WestJet est arrivé, quand Southwest est arrivé aux États-Unis, avant ça, c'était les grands porteurs, ça tout coûtait très très cher. Mais WestJet font les mêmes avions que les grands porteurs, mais ils ont trouvé des façons de livrer leur service en répondant à un besoin non satisfait. Donc WestJet est devenu un peu comme au début, surtout, était comme un autobus qui arrêtait à toutes les villes. Mais c'était correct parce que les petites villes étaient mal servis par les compétiteurs. WestJet a trouvé une façon de le faire pour que ça soit pratique, puis ça crée de l'innovation. Donc, quand vous allez faire vos présentations tantôt, je vais écouter pour voir si on peut entrer ce que vous proposez pour que ça soit dans une de ces catégories-là, puis on va l'appeler de cette façon-là. Ça va? Il faut aussi démontrer que vous avez une stratégie viable pour livrer
cette valeur-là. Donc, il faut identifier l'opportunité de marché, le risque d'exécution, le risque d'investissement et l'opportunité de sortie. Donc, que vous avez comme but de changer le monde, que vous avez comme but de déranger le statu quo, faire le disrupt, mais aussi que vous êtes capable de gérer le risque, réduire le nombre d'actes de foi, acts of faith. Oui, je vous crois sur parole, mais c'est ça. Démontrez-moi que vous savez qu'il y a une pensée derrière ce que vous dites pour réduire ce risque-là, pour que ça soit gérable. On n'est pas trop calme. C'est ça. Donc, l'Académie du Pape. Pope Academy ou Pope Academy. Ça, c'est un exemple intéressant que j'ai vu dans mes recherches. Le concept d'un besoin clinique insatisfait. Unmet clinical needs, en anglais. Mais c'est une façon de, au lieu de dire que le marché pour notre... Juste dire que notre marché pour, dans ce domaine est tant, c'est une façon bottom-up, c'est une façon à partir de la réalité du terrain pour bâtir des chiffres qui sont crédibles, un marché mesurable. Donc, par exemple, dans le domaine de la douleur chronique, donc 25 millions d'Américains ont de la douleur chronique. Ils se font traiter, mais les... Si on regarde à travers tous les médicaments, il y a seulement 30% d'efficacité. Oups, excuse, une erreur. Et le coût direct, donc pour chacun de ces 25 millions, ça coûte 1000 $ par patient par année, disons, okay, pour les médicaments et pour les visites. Donc, on fait le calcul. Donc, nombre de patients, 25 millions, il y a 30% qui répondent aux anti-inflammatoires, etc., etc. Donc, il reste 60% qui sont non traités, qui ne répondent pas au traitement. Donc, il reste 18 millions de personnes. Ces 18 millions de personnes, le coût de traitement, ces 18 millions de personnes achètent des médicaments et s'en vont au docteur ou tout ça, mais sans résultat. Donc, il y a 1000 $ par personne de ces 18 millions qui sont gaspillés. Puis en plus, à cause que ça fait mal, ils ne peuvent pas aller travailler. Donc, il y a une perte indirecte de peut-être 500 $ par année. Les gens ne peuvent pas aller travailler, 5-10 jours. Oui? C'est une erreur numérique d'un facteur de 3 ordres de grandeur en bas. Les deux dernières lignes sont... Mais le besoin clinique, ce que j'avais fait... Ça devait être 18 000 millions ou 18 milliards. Mais 1000 fois 25 millions, non, excuse, 1000 fois 18 millions, c'est 18 milliards. Ah, c'est ça, c'est millions, oui. Excuse-moi. Mais c'est 18 milliards ou 18 000 millions. OK, je comprends. Donc, le marché potentiel, c'est 18 milliards. Et le fardeau économique, c'est un autre 9 milliards. Oh, par-dessus ça. Là, on commence à parler de chiffre de marché qui est mesurable et qui est plus crédible. Donc, on va regarder à des façons comment calculer votre marché basé sur la réalité du terrain. Oui? Est-ce que c'est présenté comme étant une bonne façon d'aborder une évaluation des revenus possibles? Quand c'est basé sur quelque chose comme ça, oui. On m'avait dit le contraire dans d'autres circonstances. Complètement le contraire. Il y a peut-être les mêmes choses que moi. Des top-down ou des bottom-up. Ça, c'est mal vu dans les domaines de ça. Mais entre les deux, c'est mieux de faire un bottom-up. Mais c'est puis ça dépend beaucoup de la qualité de vos hypothèses. Il faut toujours démontrer vos sources, il faut toujours démontrer vos hypothèses. Ça dépend des données disponibles. Oui. En fait, c'est vraiment ça. C'est ça. La méthode d'appliquer. Puis, la méthode de faire aussi. C'est ça. Mais ce que j'ai vu dans ce que vous m'avez envoyé à date, vous et les gens aussi qui ne sont pas ici ce matin, c'est que c'était vraiment du top-down. C'était vraiment des chiffres
qui était mis là pour avoir l'agro, mais il n'y avait aucune urgence, il n'y avait aucune crédibilité. Et le but d'utiliser une méthodologie comme ça, bottom-up, c'est de démontrer une urgence. C'est ça qu'on veut montrer avec nos chiffres. Donc, ça c'est un genre d'exemple. Vous n'avez pas besoin de faire nécessairement la même chose, mais les chiffres que vous mettez doivent être crédibles, ils doivent être basés sur des hypothèses démontrables et ils doivent démontrer, communiquer une urgence d'agir. Donc, c'est surtout ça le message que je veux faire passer. On peut s'entendre là-dessus? OK. Parfaitement. Oui, puis ça, c'est, je suis d'accord, ça va être probablement, quand vous parlez du marché, ça va être l'élément qui va susciter le plus de discussions et qui va faire en sorte que les gens vont vous croire ou que la crédibilité va être brisée instantanément. Donc, dire les hypothèses, les valider, dire vos sources, etc., etc. Ça, il n'y a pas de source, c'est juste des hypothèses pris d'un article très général. OK. Donc, quand on parle du modèle d'affaires, puis dans votre pitch, il faut que vous parliez de votre modèle d'affaires. Est-ce que vous vendez le produit ou le service final? Est-ce que vous êtes un OEM? Comme je pense dans ton cas, vous allez peut-être être un OEM ou vous allez peut-être licencier à quelqu'un de le produire, surtout dans le domaine des dispositifs médicaux. Avez-vous une idée du coût des matériaux, du prix par unité, de combien de dollars faut-il pour développer votre produit et de le lancer, pour les opérations courantes, pour la recherche et développement? Ça, il faut mettre ça dans votre pitch. Si vous êtes parlé à un investisseur, c'est ça qui fait la différence entre vous positionner comme un chercheur qui rêve ou quelqu'un qui veut faire appliquer sa technologie. Même si c'est juste des hypothèses, c'est correct. Vous pouvez dire, en ce moment, basé sur ce qu'on sait, voici nos hypothèses. Bang, 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 bang. Puis notre plan pour valider ces hypothèses sont X, Y, Z. Mais il faut avoir des chiffres. Mais lancer des chiffres sans les mettre en contexte, comme avant, c'est là que vous allez vous faire prendre. Donc, quand on va pratiquer tantôt, on va trouver des moyens que vous mettiez des chiffres crédibles. Question? Des fois, les chiffres vont peut-être être difficiles à évaluer quand même. Oui. 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 Mais c'est qu'on n'aura pas de produit fini, nous. C'est ça. On ne peut pas déterminer le chiffre comme tel. Et vous pouvez dire, notre prototype nous a coûté X, Y, Z. Ouais. Et nous pensons que nous pouvons couper les coûts dans tel domaine. Mais c'est ça, il faut parler en termes d'hypothèses et des hypothèses crédibles. Si vos hypothèses sont crédibles, c'est correct. C'est plus, ils veulent voir votre façon de penser plus que les chiffres. Et c'est ça que j'aime dans l'approche du Lean Startup, c'est voir son entreprise comme un grand projet de recherche. Des hypothèses, puis on crée des experiments, hypothesis, experiments, measurement, and then feedback. Donc ce genre-là de loop. Les flux de revenus, regardez, mentionnez, est-ce que c'est des royalties, des licences, la manufacture, du partenariat? Je me rends compte que, je ne sais pas si je vais aller là-dedans. Je parle un peu du disrupt, mais je pense qu'on en a parlé assez. Ça, c'est un livre aussi très intéressant. The Innovator's Dilemma, le dilemme de l'innovateur. Sur Basecamp, je vais mettre un résumé de ce livre-là. Mais c'est un livre, ça fait quoi, 25-30 ans que ça a été écrit. Mais c'est comment une innovation peut partir de comes out of left field, donc qui n'est pas visible des gens qui sont présentement dans le domaine pour venir complètement changer les règles du marché. Puis, ça vous donne un vocabulaire, ça vous donne un,
des outils pour voir comment créer une stratégie pour aborder le marché. Donc, Innovator's Dilemma, Crossing the Chasm, Blue Ocean Strategy, des livres de base qu'il faut lire. Il y a beaucoup, si vous faites ça sur Google, il y a beaucoup de résumés qui sont disponibles. OK. D'autres risques qu'il faut adresser, soit dans vos réponses aux questions ou dans votre présentation, c'est votre burn rate. Êtes-vous capable de compléter le développement technologique avant de ne plus avoir de ressources? Et si on vous donne des ressources pour faire du développement technologique, est-ce que vous êtes capable de finir le développement ou de valider assez avant qu'il ne reste plus de ressources? Le burn rate dans les startups technologiques est vraiment critique. Puis, vos investisseurs vont vouloir le calculer avec vous ou sans vous. Mais c'est ça qu'ils vont juger quand vous allez leur demander de l'argent. Est-ce que c'est assez pour compléter ce qu'il faut faire avant qu'il n'en reste plus? Puis la faisabilité du concept aussi. Il faut se rendre compte que le capital de risque finance de moins en moins la recherche fondamentale ou les essais cliniques. Puis vous avez probablement déjà entendu, quand j'avais parlé à André, il disait la même chose, c'est que quand vous parlez avec des VC, ils disent, ben, est-ce que les essais cliniques sont faits? Non, revenez nous voir par la suite. Et c'est la vie. Leur rôle n'est pas de financer la recherche, à moins que ce soit le rôle spécifique de ce fonds-là. Il y a des fonds de recherche, mais les fonds VC, comme les gens que vous allez rencontrer la semaine prochaine, je sais qu'au moins deux des cinq, leur rôle, ce n'est pas de financer la recherche, c'est de financer la commercialisation. Donc, il faut trouver les moyens de compléter votre développement technologique. Puis, c'est le même problème, que ce soit en biotech, que ce soit en génie électrique, génie mécanique. J'ai des clients en électro-optique qui ont le même problème. C'est la vie. Moins d'incertitude dans ce domaine? Ah, ça dépend, parce qu'il y a toujours le problème du scaling, La biologie, là. Mais la biologie, c'est encore pire, oui. Parce que j'ai travaillé avec un projet de l'INRS l'année dernière, puis c'était justement ça fonctionnait bien dans le laboratoire, mais les processus, il y avait trop de variations quand ils essayaient de mettre juste, travailler avec une tonne, au lieu de travailler juste en laboratoire, puis l'idée c'était de faire des milliers de tonnes par année. Donc, mais quand vous parlez avec un investisseur, c'est d'être clair, d'être conscient que leur idée c'est, bon, enlevez-moi le plus possible les risques techniques, on va parler des risques commerciaux. Parce que c'est ça qu'ils connaissent. Les risques commerciaux, c'est leur dada. Ils comprennent ça. Ils ne comprennent pas nécessairement votre capacité de gérer des risques technologiques. La propriété intellectuelle. Donc, c'est vraiment quand quelqu'un investit dans votre entreprise, votre actif, c'est la propriété intellectuelle. Combien bien c'est protégé, combien vous êtes prêt à investir pour le protéger si jamais quelqu'un essaie d'empiéter sur votre brevet, sur votre licence. Il faut aussi regarder les brevets fondamentaux. Est-ce qu'il y a des blocking patterns? Est-ce qu'il y a des dépendances de votre technologie sur d'autres technologies qui sont protégées? Puis, qu'est-ce que ces brevets vous permettent de faire? Des fois, ils vont vous permettre de le faire en laboratoire, mais pas de le faire de façon commerciale. Si vous avez des co-inventeurs, ça devient pas mal plus complexe. Puis, il faut avoir d'excellentes conventions en place pour gérer ça. Puis, ça va faire partie du due diligence d'un investisseur. Implication des universités. Donc, si vous avez utilisé des ressources d'une université ou vous l'avez fait pendant votre maîtrise, votre doctorat ou autre,
ça a beaucoup d'impact sur les droits de commercialisation. Puis, bottom line, c'est qu'un brevet, ça vaut seulement le montant que vous êtes prêt à investir pour le défendre. Donc, oui, il faut payer beaucoup d'abord pour un bon avocat, puis un bon agent de brevet, puis il faut payer beaucoup pour le défendre. Sinon, c'est de l'argent perdu. Mais c'est clé, votre entreprise est basée là-dessus. C'est à peu près la limite de ce que je connais à propos des brevets. OK. Les risques d'exécution. Devons-nous construire ce produit? C'est peut-être une excellente idée, mais est-ce qu'on peut vraiment bâtir une entreprise autour de ce produit-là? Puis, ça m'arrive assez souvent de commencer à coacher des startups. Puis, on se heurte très rapidement à cette question-là. Puis, l'entrepreneur décide, non, c'est une excellente idée. J'aimerais ça travailler là-dedans. J'aimerais ça monter cette idée-là. Mais d'après nos recherches, d'après notre étude, non, ça ne mérite pas. On ne peut pas monter une entreprise rentable autour de ce produit, même si on l'essaie, il n'y a pas moyen d'atteindre une rentabilité qui mérite tout l'effort derrière ça. C'est correct. Un non est aussi bon qu'un oui. Donc peut-être vous allez participer à la conférence bio, puis à Fast Track, puis à d'autres, puis rendu mois de septembre, vous vous rendez compte que c'est mieux de fermer la porte maintenant que d'hypothéquer sa maison puis d'avoir à fermer la porte de la maison. Donc c'est toujours être ouvert à cette possibilité-là. Parce que vos investisseurs, vos partenaires sont toujours ouverts à ça aussi. Puis s'ils voient que ça n'avance pas, eux autres n'auront pas peur d'arrêter tout ça-là. Choisir son partenaire, les bons, les bruts et les truands, bien sûr. Puis les entrepreneurs ont souvent peur des investisseurs, mais il y a beaucoup d'investisseurs qui sont très professionnels, ils veulent que vous réussissiez, parce que si vous réussissiez, eux autres, ils réussissent aussi. Essayez de trouver des investisseurs, surtout au niveau ange, des investisseurs qui sont là pour longtemps. Donc, ils ont quelque chose à ajouter autre que juste l'argent. Puis, ils savent qu'ils vont se faire diluer, puis ça, c'est correct. Ils savent qu'ils vont se faire diluer, ils savent comment ça fonctionne. Ils ont peut-être même, eux autres, des contacts avec d'autres VC pour vous présenter aux bonnes personnes. Puis, ce qui est bon, c'est au Québec, tout le monde se connaît dans le domaine de l'investissement. Donc, c'est une petite famille comparativement à d'autres places. Mais si vous allez... C'est super important si vous allez chercher un investisseur individuel, que cet investisseur individuel, même s'il a de l'argent, est-ce qu'il a des connexions? Puis je vois des startups qui prennent du dumb money parce qu'ils ont besoin d'argent, puis ça devient un frein par la suite. Donc, très important de choisir vos partenaires dès le début. Ça, j'ai mis ça juste pour vous dire, il y a du financement, il y a du revenu disponible à tous les stages d'une entreprise. Puis quelque chose, moi je travaille beaucoup en ce moment, juste un petit à côté, sur le concept du crowdfunding, du financement participatif. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça? Le crowdfunding et surtout le equity crowdfunding. La semaine prochaine, je participe à un brief qu'on fait à l'AMF justement là-dessus. Pour que les entrepreneurs puissent faire appel à leur réseau pour lever de l'argent en retour d'équité dans l'entreprise. Et c'est une façon très intéressante de remplacer l'investissement, surtout au niveau concept, définition, où est-ce que c'est difficile d'avoir de l'argent si on n'a pas des parents riches. Donc, le love money devient difficile dans ce cas-là si on n'a pas accès à des proches. Oui? Au Canada, la notion de crowdfunding n'est pas très possible à cause des lois actuelles au niveau fédéral. Oui, et c'est ça qu'on est en train de changer.
Donc, je fais partie d'un réseau à travers le Canada qui s'appelle Invest Crowdfund Canada, qui est appuyé par le CATA, Canadian Advanced Technology Alliance. Donc, c'est vraiment organisé. Donc, on vient de travailler sur l'Ontario, là, c'est autour du Québec. Le BC et l'Alberta sont en train d'avoir des hearings. Non, parce qu'en ce moment, il faut être un investisseur qualifié pour, si on vous connaît pas personnellement. Pour l'équité, pour l'équité, c'est okay, ça. Parce que si on pourrait faire un Kickstarter, c'est... Oui, surtout dans les devices, ça c'est une façon aussi. Ce que je recommande à mes clients, c'est de faire attention au Kickstarter parce que ça coûte beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et si ça lève trop d'argent, vous êtes dans une situation aussi pire que pas avoir assez d'argent. Parce que trop d'argent, les gens prennent pour acquis que vous êtes rendu à l'efficacité et vous êtes en train de commencer la validation. Mais c'est une façon, le crowdfunding, que ce soit equity crowdfunding, c'est ça que j'ai hâte et je pense que ça va être mis en application cet automne. Je suis très optimiste là-dessus. Mais c'est une façon de lever du capital propre par vous-même. Parce que des fois, soit des prêteurs ou des investisseurs veulent voir du matching funds que vous amenez avec un certain montant d'argent. Et l'argent que vous avez mis par le passé ou l'argent que vous n'êtes pas payé pour travailler sur votre projet, ne compte pas. C'est juste la vraie argent en ce moment qui compte. Donc le crowdfunding, le financement participatif, a le potentiel de vraiment changer les règles du jeu. C'est pour ça que moi je suis un grand enthousiaste de ça, quand l'entrepreneur est prêt. Mais comment ça marche en tant que tel pour soit les retours sur investissement ou le fait que ce soit moins de 49 personnes qui ont investi dans la compagnie pour pas tomber plus vite non plus? Est-ce que ça prend des prospectus? Est-ce que ça, non, ce qu'on parle, c'est de faire une exemption de ça. Mais il va quand même des limites. Donc, on parle entre 50... Ce qu'on propose, c'est entre 50 000 et 1 million. Un individu ne peut pas investir plus que 5 000. Mais la personne n'a pas besoin d'être un investisseur qualifié, donc avec un avoir de plus de 1 million, etc. Mais il y a une limite sur ce que l'individu peut mettre aussi. Donc, il ne peut pas mettre 5 000 dans 5 projets. Il y a comme un montant maximal, puis je pense que c'est 10 000 qu'on regarde, ou un pourcentage de ses revenus déclarés. Puis une fois que ça c'est fait, ça marche comment avec des anges financiers après ou de la série A? Est-ce qu'il y a des droits de préemption? Comment ça c'est en train d'être négocié, puis... Les actions, le modèle qui est proposé au Canada, c'est que si tu veux faire du crowdfunding, il faut que tu passes par un portail. Donc le portail est autorisé à signer au nom de tous les gens qui ont adhéré à ce projet-là. Donc il devient un genre comme un agent. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de complexité. C'est pas évident. Il va y avoir mais je pense que cette année, on va voir les premiers essais du equity crowdfunding. Puis. C'est le temps parce que. Oui. C'est ça. Puis au Québec, il n'y a pas vraiment beaucoup d'investisseurs qualifiés. Et surtout des investisseurs qualifiés qui vous connaissent, qui ont un lien de parenté ou d'amitié avant que vous présentiez. C'est ça. Donc, le equity crowdfunding permet d'utiliser plus son réseau de contact. Donc, un ami d'un ami d'un ami qui vient au portail pour voir. Puis moi, de mon côté, moi, j'ai recommandé que l'entrepreneur ou l'émetteur communique via son CLD ou SADC pour valider que c'est une vraie entreprise. Puis, l'avantage de ça aussi, comme je pense à ton cas, Andrea, tu fais affaire au CLD? J'ai des contacts dans plusieurs CLD. Comme personne, je ne peux pas participer à leurs activités à cause de nos conditions un peu particulières. OK. Mais je suis en contact avec des gens là, on échange beaucoup. Parce que
ce qui devient intéressant, c'est que si vous amenez, par exemple, 50 000 par un financement participatif, là, le CLD peut utiliser ça comme, OK, on va compter votre 50 000 comme votre mise de fonds personnel, puis là, il y a de l'argent qui vient de différents fonds. Bonjour. Bonjour. Il y a de l'argent qui vient de différents fonds, comme le fonds local d'investissement, le fonds local de solidarité, ou ce qu'on appelle ici, FLS, ça a changé de nom. En tout cas, il y a des fonds publics et semi-publics qui peuvent faire en sorte que votre 50 000 peut devenir rapidement 200 000, 300 000, 400 000. Est-ce que ces fonds-là sont... Rapidement? Non. Non. aussi rapidement qu'essayer d'aller chercher vous-même le 20... Parce que ça prend du temps pour aller chercher l'argent. C'est déjà mieux, là. Ce 50 000 de... crowdfunding, c'est déjà pas mal mieux parti que si t'avais zéro. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas rapide. Non. Les CLD, c'est tout sauf rapide. Non, c'est pas rapide, mais c'est... OK, je vais enlever le mot rapidement. Il y a un processus pour aller chercher ces fonds-là. Mais il faut avoir, c'est ça, la clé de tout ça, il faut avoir son argent à soi-même. C'est ça qui est souvent le plus difficile. Et ne jamais mettre votre auto ni votre... maison comme garantie, nulle part. Ever. Et il y a des gens qui le font, puis c'est vraiment dommage quand on voit ça ici. J'espère que vous ne l'avez pas fait. OK. Sinon, trouvez-vous un bon avocat, puis sortez votre maison dedans. Anyway, juste pour dire qu'il y a plusieurs outils. Stratégie, OK. Ça, c'est un point qui est un peu controversé. Il faut être, peut-être le mettre dans votre présentation ou l'avoir de disponible par la suite. Les stratégies de sortie. Il y a deux choses à se rappeler. Un VC, donc un fonds comme, je pense au fonds à Montréal, comme Rowe Capital, Tandem, ces fonds-là sont des VC. Ils achètent des actions. Puis mis sur le fait que vous faites une progression, que vous diminuez les risques, mais aussi qu'ils peuvent sortir leur argent en vendant leur part dans un marché liquide, soit un IPO ou d'autres marchés de capitaux. Donc, il faut être très, très clair si vous allez dans cette direction-là. Ça veut dire qu'il faut que vous démontrez, il faut que vous exécutez un projet qui fait une croissance rapide, très rapide, exponentielle, hockey stick. Et ça dépend beaucoup aussi du secteur dans lequel vous êtes. Vous commencez peut-être votre projet dans un secteur qui est hot, mais tout à coup, un grand nom fait un trébuche, quelque chose, puis là, le secteur devient froid tout à coup, tout le monde sort de là, vous êtes mal pris. Donc, Il y a des bénéfices. Les bénéfices des VC, c'est qu'ils ont accès à des grands pools, des grands bassins de fonds. Si vous allez plus vers l'équité privée, puis ça c'est plus Ange Québec, ces choses-là, donc c'est de l'argent privé. Il mise sur la bonne gestion, donc votre capacité à l'interne de faire croître la valeur de votre entreprise. C'est là-dessus qu'ils regardent. Puis, eux autres, leur stratégie de sortie, c'est ce qu'ils espèrent, c'est que ça va être la vente de votre technologie à une plus grande entreprise. Et beaucoup dans le domaine des molécules, dans le domaine des médicaments, maintenant, c'est comme ça que ça se fait. Ça peut être aussi si vous allez... chercher de l'équité dans des fonds internes de développement. Comme ce que je vois maintenant, c'est que les grandes pharmaceutiques, au lieu d'avoir des laboratoires de recherche, ils investissent dans des startups qui font la recherche pour eux. Puis, dans le fond, ils achètent ce que vous créez. Donc, ça, c'est plus le côté équité privée.
Mais c'est de d'être capable d'en discuter avec sans avoir peur du concept de la sortie. Parce que sinon, dans les biotech, dans les medical devices, c'est très, très risqué. Puis le fait que c'est votre entreprise qui va devenir la référence, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à franchir et plus de choses à faire. Et il y a un livre que j'adore, que j'ai pas mis ici, qui s'appelle Early Exits par Basil Peters. Early Exits. Puis j'essaie de me... Je pense que c'est exits.com, son blog, quelque chose qu'on pourra regarder tantôt. Mais il parle beaucoup de ça. De, dès le début, pensez à vos stratégies de sortie. Parce que c'est là que vous faites votre argent. C'est là que vous récoltez tout l'effort que vous mettez dans votre entreprise, c'est à la sortie. Et le problème au Canada, c'est qu'on gère très, très mal les sorties. Soit les gens partent trop tôt, ou ils attendent, la valeur monte, mais ils attendent trop longtemps, puis ils vendent « after the peak ». Donc, Basil Peters, c'est un VC dans le coin de Victoria, que je commence à suivre de très près parce que j'aime sa façon de penser. C'est d'intégrer dans la stratégie dès le début des possibilités de sortie. Mais bien sûr, au Québec, le IPO, il faut mettre un croix là-dessus. C'est seulement si vous allez aux États-Unis. Puis même aux États-Unis, c'est pas très chaud en ce moment, les IPO dans le domaine du biotech. Donc, mais il y a des façons de partir. Mais Early Exits, c'est un livre qui est assez court puis qui est très lisible, qui a des exemples dans différents domaines. OK. La création de valeur. Donc, votre entreprise crée de la valeur avec le capital investi, le potentiel de revenu, le potentiel de disrupt, le nombre d'utilisateurs, de clients. Et finalement, pour résumer tout ça, ce que vous voulez communiquer, ce sont les forces de votre projet. Là, j'ai essayé d'être un peu cute, là. Un problème urgent, solution pertinente, science innovante, marché intéressant et un plan exécutant. J'ai implanté ce mot-là pour frimer avec les autres. Mais que vous êtes capable d'exécuter ce plan. C'est ça que vous voulez communiquer dans votre présentation. Je pense que c'est ça. Question? Ah, voici les livres que je recommande. Puis, ajoutez à ça aussi Early Exits, que je n'ai pas mentionné. Ça, est-ce que vous avez déjà vu ce livre-là? Business Model Generation? Je l'ai vu chez Renaud Bré. Oui. Il faut. Ça, c'est ce que j'enseigne. La première partie est gratuite. Si vous allez sur businessmodelgeneration.com, toute la première partie du livre est gratuite qui explique comment dessiner un modèle d'affaires sur une page. Puis c'est ça que j'enseigne dans mon coaching. Si vous faites Fast Track, vous allez travailler là-dessus. Donc, dans le fond, c'est de définir c'est quoi ces customer segments, les segments du marché. C'est quoi la value proposition, proposition de valeur? Les channels, comment vous livrez la valeur à vos clients? A customer relationships, comment vous créez des liens pour aller chercher vos clients? Ça vous donne votre revenue streams, les flux de revenus. Et de ce côté-ci, vous avez des activités à faire. Vous avez des ressources et des partenaires. Ça, c'est qui vous détermine vos coûts. Et ça, c'est votre stratégie d'affaires sur une page. Fini les grands plans d'affaires. Puis ce que je dis même à mes clients, c'est que si un investisseur vous demande un plan d'affaires, dites non, vous n'êtes pas l'investisseur que je veux. Demandez à un investisseur qui comprend Business Model Generation. Oui. Et je donne deux formations ce printemps au CLD, CLD de Gatineau puis l'Association des CLD, justement pour leur mettre au courant de ça. Mais ce qui est fun dans le livre, pour ceux qui s'intéressent, c'est qu'il y a plein d'entreprises déjà connues. Oui. Il y a plein d'exemples. D'exemples dans tous les domaines. Ça donne des idées. Oui. Et donc, on travaille à fond avec mes clients, ce livre-là. C'est disponible en français aussi.
Puis businessmodelgeneration.com, la première partie du livre qui explique comment ce tableau se fait, c'est distribué gratuitement. Puis abonnez-vous à mon blog, puis parce que je vais faire des entrevues et des webinaires là-dessus. OK, on est rendu à quelle heure? 10h24. Avez-vous des questions? Moi, je suggère de prendre un petit instant pour absorber tout ça. Puis dans 10 minutes, on recommence avec le pitch maintenant. On va monter votre pitch. OK? Vous avez votre pitch en PowerPoint ou Keynote? Avez-vous? OK. Comme ça, ce que je pense faire, on va parler du pitch. Est-ce que vous avez du lunch ou est-ce que vous avez besoin de sortir pour le lunch? Ou, On va sortir pour le lunch. Il y a un petit cafétéria où ce que je pense à faire, c'est faire commander un lunch, qu'on travaille pendant le lunch, à mettre à jour vos pitchs avec ce qu'on va discuter. Puis,